Yo tout le monde, c'est Thiob, c'est sur cette magnifique image que je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3, dans lequel nous jouons, je crois que c'est assez imposant pour le savoir, l'Allemagne. Oh, c'est magique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on passerait pas sur les pays nordiques, donc Danemark, Norvège, Suède, Finlande? Ouais. Je vais en faire un pays fantoche. Je vais commencer par la Finlande. Ouais. Je vais en faire un pays fantoche. Avant d'annexer Danemark, Norvège, Suède. Danemark, Suède, Norvège d'ailleurs. Alors, ok, j'ai rien. Oh, on avait mis tout ça au clair, dis donc. C'était tout propre. C'est magnifique. Peut-être pas partout non plus. Ah! Oui, c'est bon, je m'en fiche un peu. Un tremblement de terre en Panama. Oh non! Comment ça va me coûter? Pff. 320 600 pour... Alors on rappelle, hein, là, on rappelle. 320 600 pour ce lopin de terre! Les gars! Ah ouais. Non mais, à ce prix-là, c'est quoi le tremblement de terre? Il n'y a plus de terre, ça a tout englouti, il faut remettre de la terre, c'est ça? Ou... Comment ça se passe? Ah non mais la connerie. Ouais, je vous jure. Madre. Je fais une bêtise? Non, c'est bon, hein. Oui. Oui. Alors, passons sur le problème du Panama. Ça manque d'électricité, tout ça. Oula, oui, ça manque beaucoup d'électricité. Allez, on va refaire 100. 102. Comme ça fera un chiffre rond, un nombre rond. Tac, tac, ça c'est bon. Ça on fait en automatique, ça c'est en manuel. Ça en manuel, en auto. Allez hop. Effectivement, on a fait de la conquête, donc à chaque fois faut se retaper. Ouais, c'est un peu embêtant, hein, je suis d'accord. Oula, on va pas toucher ça. Allez, on remet tout en manuel, plantation. Oh, attends, tout ça c'est pas en transport ferroviaire. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ouais, on va mettre en transport ferroviaire. Ah, voilà. Quelle idée. Non mais dis donc, quelle idée. En tech. Oh! Pardon? J'ai loupé un truc là? D'un coup, je passe de 1 à moins 1 million? Ah ouais, on vient de faire les radios, ça aussi, ça c'est bien ça. Mais attends, mais pourquoi moi un mignon là d'un coup? Il s'est passé quoi? Ok. Ah. Ouais. Subvention? C'est à cause des subventions? Je sais pas ce que j'ai foutu, pourquoi j'ai moins un million d'un coup? Moins million de... Oula, ça c'est une question d'impôt, ça, il y a encore... Encore une magouille chelou avec les impositions, ça, tous les coups, c'est un truc comme ça. Bon. Faire passer en impôt bas et pas en impôt très bas. Ouais, c'est ça. Même le calcul des impôts a du mal à se faire, c'est... J'ai une obligation du truc. J'ai pas eu le temps de lire. Quoi? À Chantilly? Ah oui! C'est bien là le chantier? Non? Je me suis trompé. Bah c'est d'où? Mince!
J'ai du mal avec ma géographie, moi, depuis quand? Ah oui, attends, comment ça, j'ai une obligation de de leur part? Enfin... Je sais pas. Je sais pas comment j'ai une obligation de leur part. C'est peut-être un de mes pays fantoches qui a une obligation et moi je l'ai récupéré gratuit, pas cher. Je suppose, parce que... Là je vois pas. Hein. Comment ça, protectorat Allemagne? Mais jamais. Hein? Mais là aussi? Là aussi? Mais attends, mais partout? Mais c'est quoi ce bazar? Mais attends, j'en ai trois là en protectorat. Ok, la Guyane allemande, ça on va les prendre. Hop. Qu'on n'a plus, il y en a encore. Helsinki, Helsinki. Ici. Tiens, bah, on va les aider, on va faire un petit débarquement. Voilà. Ouf. Ont-ils vraiment besoin d'aide? C'est une excellente question. Shogunat japonais. Dominion. Ah ouais, si je vais dans le... Ah non. Libérer le sujet. Ouais, je peux en libérer une masse. Hein. Regarde-moi ça. Tout ce que je pourrais libérer. C'est quoi le truc qu'on a le plus? Ouais. Forcément. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Vous resterez avec moi. Oh, mais, oh la vache. Ah oui, bah c'est à cause des lacs ça que ça fait ça? Bizarre. Bon. Ouais, ça conquit petit terrain, petit territoire par petit territoire. C'est bizarre. C'est bizarre. Hop là. Ok, ça remonte au niveau du solde, heureusement. Je me fume. Là, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de petits pays, c'est bien. Enfin, il n'en restera qu'un. Les Indes néerlandaises. C'est vrai qu'ils sont sous mon dominion. Faudrait que je libère tout ça. Hop, on va dégrader. Dégradé. Dégradé. Ouais, j'ai bien fait de commencer parce qu'il y en a deux avec qui je m'entends bien. Et si je m'entends trop bien avec, je peux pas en faire un dominion. Donc, Gola en Égypte. Ouais, l'Égypte, je suis désolé, mais ça fait deux ou trois fois là que je vois que tu chopes du pétrole. Ouais, j'en ai besoin, hein. Ah, j'ai peur que tu sois le prochain sur ma cible. Hein. Ouais. Prendre part de traité Mexique. Hein, ça y est. Ils se refoutent sur la tronche. Hostile. Hostile. Il y en a eu, je pense pas qu'il y en ait qui soient pas hostiles en vrai. Enfin. Je ne maîtrise pas qu'ils ne soient pas hostiles. Appel, on propose de l'accord. Voilà. Et alors, il y a trouvé du pétrole en Guyane. Du pétrole et du caoutchouc. Ah non, moins que ce soit. Hein. Oh, si. Bon, c'est bizarre. Ok.
c'est bon. Ah, je peux en faire un pays fantoche. En faire un pays fantoche, ouais. Bon. Oh, mais attends, ça fait un tir groupé, tout ça, c'est bien. Bon, je vais annexer avant. On va annexer. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sûr d'avoir cliqué sur quelque chose, mais... Ouais, il se passe des trucs bizarres. Allez, à toi, Joachim. Ouh, quelques radicaux, là. Quelques-uns qui traînent de ci, de là. Et eux, là, du coup... Ok. On est en 1905, il reste 31 ans dans le jeu pour conquérir un maximum de trucs, enfin un maximum d'endroits. Ça va être chaud, hein, à cause de cette limitation. République des conseils, ouais, j'essaie. Combat de destroyer, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut passer comme ça. C'est bon, le budget, il est remonté. On sait pas pourquoi, là, il y a eu une grosse baisse d'un coup et c'est revenu. Faut pas chercher des fois. Je veux juste voir si là on est bon. Manoir. Non mais les mecs, au bout d'un moment, enfin... Comment ça des manoirs? Qui c'est qui se bat avec des manoirs encore? Ah, allez, destroyer, allez hop. Frégate, maintenant qu'on peut produire... Les radios, d'ailleurs on va le faire dans l'urbain, urbain, urbain. Hop là, radio. Voilà. Ah, c'est pas passé. Plus 10% d'attractivité, ouais c'est bien. Ils sont comment? Oh la vache. 32,2%. Oh, ils sont bien. Ah oui, non mais ils sont bien là. Ils sont... Hein, les syndicats de travailleurs... Ils sont badass. Là, là, bon. Va-t-il falloir leur foncer dessus ou pas? Je suis en pause. Oh là là, j'avais même pas vu. Je me disais, c'est bizarre, là, ça avance pas. Tu m'étonnes, ça avance pas. Couillon de moi, va. C'est hors de question. Et ça aussi. Ben c'est bien, on a gardé vraiment ce qu'il nous fallait. Hein. Oh, les bataillons conscriptibles. Oh là là. Oh là là. Regardez ça, quand même, c'est magnifique. On va agrandir tout ça encore. Avec ça, ça fera du bien. Peut-être qu'on partira par là et par là. Oh, on a besoin de pétrole. Donc on va partir. Empire ottoman, Égypte, Arabie. Hein. Perse aussi un peu. Bien sûr, le Sahara, on comprendra. Ah, une bonne population ici. Hein. Là, pas ouf. Là, il y a combien? Ah, mais non, mais non, mais c'est... Il y a plusieurs endroits, c'est normal. Nord occidental, non, on va créer des plateformes pétrolières, ok. Ouais, bon, pas le choix. Il
0 contre 0. Bon, il y a quelques fronts d'ouvert. Ils veulent pas abandonner. Ça me... Hop, on va y envoyer. Ah, il est déjà mobilisé, lui. Voilà, au cas où ça soit un peu lent. Faire tomber la capitale. C'est pas rapide, hein? Bonne visibilité, manœuvre surprise. Ouh, plus 20% de dégâts moral. Ah, ça déconne zéro là. Bon, j'ai beaucoup plus de pertes. Hein, mais... J'y vais un peu comme un bourrin. J'ai les moyens, donc j'y vais comme un bourrin. Allez, qu'est-ce que ça va prendre comme territoire? Ouf, un sacré morceau, ouais. Ok, bon. Allez, on va leur demander d'être annexés. En Bornéo. Fou, il est divisé en beaucoup, effectivement. C'est pas par là le Bornéo? Peter Arnold, des syndicats de travailleurs se retirent. Ok. Ah non, non, non. Attends. Junker, posé de bourgeoisie. Oh, mais tout ça, je m'en fous. Oh, rien à foutre. Oups. Les ruraux, ils sont malheureux. Oh. Allez avec la petite bourgeoisie, vous êtes plus riche qu'eux, de toute façon. Bon, j'exagère. Ok, vas-y, on a valeur ici. Comme ça, j'ouvre un double front, là. Et ouais, ouf, oh là. Il reste que ce petit lopin de terre. On est en supériorité numérique. On est quoi, 509 000 contre 8 000? Oh. C'est une petite supériorité numérique. C'est pas grand chose. Au niveau des technos, qu'est-ce que je recherche? Troupes d'assaut. Ah oui. Qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que ça m'accélérerait? Ou quoi que ce soit, ce genre de troupes. Moins de perte de morale. Moins de provinces perdues. Plus de provinces capturées. Taux d'entraînement. Ah non, pareil. Un peu plus de projection de puissance. Ouais. J'ai pas l'impression que ça m'apporte grand chose. Bon, un peu plus d'attaque, je suppose, défense. Ouais. Ouais, ouais. Mais je peux rien faire de plus qui accélère. Hein. Non, rien du tout. Hein. C'est un machin. Oh, bah attends. J'ai le train électrique, j'ai pas les trains diesel. Mais j'ai pas assez de pétrole, hein, il me semble. Ouais. Oh, coucou, il est bien remonté. Il est bien remonté. Ouais, dans les ressources de luxe, par contre, là où j'étais vraiment dans la mouise,
Par contre, j'aimerais vraiment savoir combien j'ai d'Académie des Arts, parce que là. Wouah! 1600 Académies des Arts? Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, non mais. D'accord! Mais oui, enfin. Fallait préciser aussi. 1000! Oh putain. Ah ouais. Ok. Non, ça va. C'est bien. Ouais. 1600 Académie des Arts. Non mais. C'est juste génialement énorme. Puisse passer à la Suède, parce que la Suède, la Norvège est un fantoche, je crois, ou un équivalent fantoche de la Suède. Ok, en Côte d'Ivoire, j'ai du pétrole. Mais je sais pas si je le prends. Est-ce que ça me donne la Norvège ou pas? Alors, est-ce que ça me le donne que en tant que pays fantoche? Mais vu que c'est déjà mon pays fantoche. C'est une bonne question. Ah, il résiste le Danemark. Hein. Ah, c'est parce que j'ai pas pris trop de leur territoire là. Donc, on a le Danemark. On enchaîne. On n'a pas de temps à perdre. Alors, ici, on va quand même. J'ai envoyé ce qu'il faut. On va y envoyer tout le monde et je vais voir si en y envoyant tout le monde, est-ce que c'est mieux que si j'envoie pas tout le monde. On est obligé de faire plusieurs fois les mêmes clics, hein. Le jeu là il a du mal. Depuis la mise à jour. Ce n'est plus ce que c'était. Alors, quelques états intégrés. Ah ouais, j'en ai pas mal, hein. Vraiment, même beaucoup. Mince! Ah, je me suis trompé. Ah, va falloir que je refasse les productions de la frise, etc. Elle va me dire, oui, mais ça m'arrange pas. C'est ça, non? Non, ça va. Ça va. Ah ouais, zut. La Hollande, pourquoi la Hollande? Je l'avais pas incorporée. Bon. C'est bien, on a un territoire qui grandit. C'est comme un bébé, tu le vois naître, tu le vois grandir, et ensuite tu t'engueules avec, enfin quand il devient plus grand. Puis à la fin, il te fout sur la tronche. Non, c'est pas ça. Attends, j'ai pas une loi qui est passée là? Ah ouais, j'ai la loi qui est passée et je l'ai pas vue du tout. Elle est vraiment passée entre deux. Assurance maladie privée, je pourrais passer en assurance maladie publique ou essayer de faire passer à la République des conseils. Mais les petites bourgeoisies n'est pas marginalisée. Je vais arrêter de renforcer les syndicats de travailleurs. À moins que. Non, les industriels. Hein. Je pense que les industriels, ils sont suffisamment dans la mouise. On va cesser de réprimer. Et je vais réprimer la petite bourgeoisie. Ah, ils sont déjà réprimés, mince. Héros.
Ils sont déjà réprimés. Bah. Comment ça se fait que la petite bourgeoisie tienne tant que ça? C'est à cause de sa richesse, hein. Putain, c'est fou. Ils sont tellement riches. On va essayer de faire passer quand même, allez, la loi. Tonton, bon, ils vont partir sur une révolution, très certainement, hein, ils vont pas être contents. Révolution Sénégal, ah bah super. Ah mais c'est pas chez nous, ça va. Ils sont pas abandonnés, hein, ils sont embêtants. Alors, ça va être ça. Ouais, c'est dommage que je puisse pas les envoyer tout de suite. Oh, Togo allemand. Bah, je suis fou ou je suis pas fou? Attends, quoi? Mais j'ai pas colonisé ici pourtant. Ça fait depuis longtemps. Ah, c'est peut-être parce que ça fait partie du Danemark. Alors là, on va retirer. Par contre, ça sert à plus rien. Mais pour laisser à d'autres endroits par hasard? C'est bien possible, hein. Oh non. Bon. Je sais pas, c'est bizarre. Ok. Qu'est-ce que... Je sais que... Je crois que j'étais en train de faire quelque chose, mais je sais plus quoi. Ah oui, si. Invasion navale. Hop, avec eux. Invasion navale. Pareil avec. Avec eux. Voilà. Oh, ils ont foutu tout le monde là. Là, ils ont personne. Ça me va. Ça, moi, ça ou pas? Ça, Norvège. Ok. C'est vrai qu'il y a le Portugal, l'Espagne et tout, etc. Que je pourrais aller chercher. Les tentatives des républiques de conseil. 51%, c'est bien. Ils augmentent, hein. C'est pas bon. J'ai combien d'usines d'outils, etc. Ça, c'est un... C'est vraiment important. Oh, 1600. J'ai autant d'usines d'outils, enfin, plutôt... On va le prendre dans l'autre sens. J'ai autant d'Académie des Arts que d'usines d'outils. Ça n'a pas de sens. Ouais, j'adore. Ouh. Ouh, la bureaucratie. Il va falloir que je m'en méfie. Que là, ça avance tranquillou. Pépère. Sokoto. Je la diplomatie avec eux? Ah non, pas du tout. Ouais, je les laisse tranquille en vrai là. Ouais, là j'ai un peu plus de mal à avancer. C'est normal, il a foutu tout le monde.
En Navarre. Oh. Toujours pas chez moi, ça. On a combien? 9? Ouais, sympa. Il y en aurait pour une Italie, hein, je pense pas. Peut-être en Piémont. Non. Est-ce que je peux voir? Normalement, je peux voir. Alors, ressources. Pétrole, bon, déjà. Je peux voir, normalement. C'est où? Bah, c'est pas là. Ça va être. Carte de potentialité. Voilà. Ouf. Il y en a beaucoup, par contre, c'est en Venezuela. Oh, il y en a beaucoup au Canada aussi. Ça veut 2000, 4000. Ah ouais. Ah, ça donne à réfléchir. Hein. Au Samara. M'excuserai, je ne sais pas où c'est. C'est ici. Samara. Et voilà. Oh oui, on a eu 10 là de découverte, c'est bien ça. On va finir par en produire assez, hein, un de ces quatre. Ouais, les industries automobiles, oh là là, 38 500. J'ai plus de la moitié de ma prod. Ouais, vraiment beaucoup plus. Les trois quarts de ma prod qui part là. Hein. Ça, c'est terrible, ça. Hein. Les teintures. Route commerciale, ouais. Je crois que j'ai des usines synthétiques. Hein. Ouais, c'est là-dedans que ça va partir. C'est contre du bois, les usines synthétiques? Je dis pas de bêtises. Bois, engrais, soufre. Ah, le soufre, dommage. Bois, engrais, c'est bien. Parce que de l'engrais, j'en ai tellement que... Autant que ça parte. Par contre, le soufre... Ah, j'ai pas ça, soudage à l'arc. Recette nationale, 10 millions. Oh là là. Ah, dépenses supplémentaires, j'ai oublié ça. L'aide aux victimes des tremblements de terre. Subvention? Ouais. Prestation d'aide sociale, quand je vais devoir mettre ça. Vous allez voir, je vais être ruiné. Faible accès au marché, ouf. Il serait temps de faire des... Des voies ferrées, hein, mes amis. Hein. Bien sûr que c'est subventionné. Ah oui, mais non, mais c'est parce que j'ai incorporé des territoires. Hop là, ça c'est fait. Ouais. On vient de réincorporer. La pêche, on va ouvrir. Réfrigérer, hop, hop. On va avoir le droit de refaire tout ça. La Norvège, bon, elle n'est pas passée directement avec moi, dommage. La verrerie. Ok, ok, ok. Tac, tac, tac. Alors. Établir une colonie. Mais non, sérieux? Encore? Ah, mais si, c'est parce que j'avais fait ça, ok. Alors. 1, 2, 3, 4 et 5. On va les incorporer. Impeccable. Bon, qui c'est que je vais aller chercher maintenant? Ça, je peux pas de suite. Eux, je peux. Ils m'ont aidé. Et ben je vais les aider, à ma manière, bien sûr. Oui, bon. Voilà. On est un peu en dèche en bureaucratie. Là, ça a pas l'air de marcher. Oh, il y en a partout.
Ah si si, c'est dans la liste de construction. Alors est-ce que ça prend en compte tout seul les administrations gouvernementales? J'ai pas l'impression que ça les fasse, hein. Je vais le faire moi-même, pénurie de biens entrants en pétrole, oui mais. Ah. Je suis bien partout en bureaucratie, mais la bureaucratie de base n'est pas bonne. Le temps total n'est pas bon. Ok. On va en faire ici. Hein. Oh, Brandebourg, il y a 350 000 sans emploi. Hein. Paysans, pardon. On va leur donner un travail dans les administrations. Sécession suédoise. Déjà? Ah les mecs, je viens de vous prendre quand même, calmez-vous. Hein. Alors, ah oui. C'est vrai que j'avais désigné comme objectif. C'est parti du coup, tout seul. Ouais, ça a l'air d'être parti. Hop, désigner comme objectif stratégique. Sécession suédoise, ça m'arrange pas. En diminuant le degré d'agitation. Oh bah, c'est pas que je veux pas, mais. Comment dire? C'est. Je peux pas pour l'instant. Ah voilà, capacité d'imposition. Ah, je l'ai cherché tout à l'heure. Il n'y avait rien, c'est bizarre quand même. À moins que je sois passé à côté sans y faire attention. Capacité d'imposition, pression orientale. Transylvanie du Nord. Alsace-Lorraine. Forcément, ça va me coûter. Ça va me faire un solde négatif le temps que ça se construise. Je suppose. C'est assez classique ça. Oh! Ah oui, j'en ai deux. Sécession suédoise. On va y chercher. C'est pas bien grave. Combien j'ai en solde? Parce que là je vois que j'ai un moins 1 million. Réserve 159 millions. Ok, bon. J'ai 3 ans. Stop. Ah, ça va m'embêter là. Ouais, voilà. Mince, c'est ça que je voulais, voilà. C'est pas logique. Regardez, c'est pas logique. Oh, il y a un manque de logique, c'est magnifique. Je suis en guerre contre eux, je suis en guerre contre eux. Mais je peux me foutre entre les deux. Pas de sens, pas de sens. Ça magnifique manque un sens. Oh là là. Et bientôt, le oh, plus 9 millions par semaine. Le symbolique 400 millions. Hein. Plus 9 millions par an, par an. Ok. Ok, on a un nouveau rang. Ah, il me faut la formation des sous-officiers. Ok. Mais je peux faire des infiltrés. Plus d'attaques, plus de provinces capturées. Ça me consomme juste un peu plus de tout. Ok. Infiltrés. Voilà, non merde. On va quand même vérifier qu'au niveau du marché, on est bon. On est bon. J'avais vraiment une.
production de fou. Hein. Oh, regarde celui-là. Oh, c'est un petit morceau comme ça. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Ils sont combien en plus? Ils sont 5 millions à tout péter? Ah. 4 millions, même pas. Allez, 3 millions. 3 millions, 5. Allez. Oui, bah tu vas voir. Ils sont pas nombreux. Hein. La totalité de votre population. C'est mon augmentation de population en 6 mois. Allez, on va passer juste ce premier tick, c'est 6 octobre. Ah, quand même, il y a quelques temps. On va voir si je peux le faire passer la République des Conseils à 30%. Ce serait un bon coup de chance, quand même. Oh, je dis pas non. Mais ce serait un bon coup de chance. Voilà. On a mis. Il y en avait un autre, je sais plus qui, mais on les a mis dehors, c'est bien. Toujours pas augmenter le système de santé. Hein. Pas grave. La note, ok, oui. Ouais, Norvège, bien évidemment, je galère à cause de ça. Bon, est-ce qu'il viendrait m'embêter là par hasard? Je vais mobiliser les deux dernières. Pour les envoyer faire un débarquement. Impeccable. De naval, donc il s'appelle MC Michael et c'est Edwin. Michael. Edwin, voilà. Ouf. Oh, ça a été rapide. Attends, il a déjà fait son débarquement lui? Mais non. Comment il a fait? Attends, c'est la Norvège. La Norvège qui... C'est le bordel. Oh, c'est le bordel, je suis en guerre contre la Norvège, la Suède est en guerre contre moi et la Norvège, et la Norvège est en guerre contre moi et la Suède. Ça n'a aucun sens. Oh putain. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, à quel point ça n'a aucun sens. Oh, le trio pourri dégueulasse. Oh la vache. On est au-dessus en Côte d'Ivoire. Oui. Pas de problème. Je prends. Ouais, ça me fume. Ouais. Magnifique, n'est-il pas? Attends. Ah. La musique est une nation décentrée. Décentralisé? Dire que ça c'est une nation centralisée? Oui, peut-être. Attends, j'ai vu un truc à la fin. Rang, pouvoir décentralisé. Bah attends, mais j'ai vu que le Brésil était une nation décentralisée. Tu as un petit problème, on est d'accord. Bon. Le Futatoro sont les tout derniers.
pour Akarta. Ouais, petite nation comme ça dessus de là qui émergent, qui font leur vie. Ouais, Piratine la Perse 48e. Royaume de Mérina 67e. La Neige 87e. Zoulou 98, oh yeah. Quand on voit tout ce qui reste à conquérir, là, ça fait beaucoup. Ça risque d'être compliqué. Bon, est-ce que ça va passer? Oh, c'est passé. D'un coup, comme ça, spaf! Ouh, j'ai pas vu. Autorité, moins 418. Ah ouais. Oh, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Des verrouilles, propriétés coopératives. Loi du système économique. Efficacité des fermiers, efficacité de la contribution. Oh. Ok, pourquoi pas. Oh, attends, on va aller voir ça. C'était dans quoi? Je sais plus. J'ai même plus. J'ai totalement zappé. Fiscalité, c'était. Bah, c'était pas dans le système économique. Je sais pas. Ça me semblait. Donc on est sur une république des conseils autocratique, c'est magnifique. Hein. Yes. Oh, la bonne légitimité, ça fait du bien. Oh, regardez-moi ça, une légitimité à 100%. Oh, ça fait du bien. Moins 25% de délai pour obligation, plus 25% de loyalistes engendrés par le niveau de vie. Oh là 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 là. Voici la grande Allemagne. Oh, le nouveau drapeau. Ouais. Aïe aïe aïe. Voilà, les deux sont prêts. Oh, c'est vraiment le Dawa là-bas. Oh, ils sont... Mais regarde, ils sont tous foutus au même endroit. Ça c'est pas normal. Ah, j'en ai cliqué sur un, forcément c'est ceux qui sont en train de se battre. Viens des... Bah. Il y a plusieurs... Ah ok, ça c'est nouveau ça. Bon, allez, on va finir avec ça. On finit avec les deux et on finira l'épisode là-dessus. Oui, petit problème d'autorité, ouais. Je vais arrêter les répressions, moi, parce que là, ça compliqué. On va cesser de réprimer. Les ruraux... On va cesser de réprimer. Puis bon, ont-ils vraiment besoin de continuer, les syndicats de travailleurs, à être renforcés? Je ne pense pas. Ah, ils sont tellement contents, ils sont tellement heureux. Là, ça importe quoi? Ah. Vous osez les ruraux, on s'en fiche. Plus 20% de capacité de production des manufactures. 1% de coût de la technologie sociétale. 1% de coût de technologie militaire. Plus 1% de ratio de main-d'œuvre. Oh, yeah, yeah. Plus 50% d'attractivité migratoire. Bon. Désolé pour la micro-coupure.
Ouais, on va Joachim réorganiser les forces armées pour faire une armée rouge allemande désormais consacrée à la défense de la dictature du prolétariat. Wow. Aïe, 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 aïe. Allez. Tant qu'à faire, hein. Voilà. Bon, c'est drôle. Bon. Étrangement, par contre, c'est notre budget qui s'en tire bien, ça j'aime bien. Putain, je vais pouvoir même retirer cet impôt sur la consommation. Voilà, il me sert pas. C'est fou, j'ai tout au minimum. Ah mais oui, si. Je sais. C'est parce que ça, je l'ai pas, la sécurité sociale. Ah ouais, liberté d'expression protégée. Je suis pas sûr. Ils veulent repasser en ségrégation raciale, hors de question. Armée professionnelle, conscription des masses. Non, non, c'est très bien comme ça. Je peux passer en assurance maladie publique. Ouais. Et peut-être que dans l'épisode d'après, on fera la sécurité sociale, pension de retraite, mais ça va nous coûter une blinde! Ah, parfait. Et bah, hop. Hop là, ça y est, voilà, on a récupéré. Pardon? J'irai voir sur la vidéo ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai pas récupéré la Norvège correctement? Je vais checker. Est-ce que j'ai fait une erreur encore? C'est possible. J'irai vérifier ça. Allez! Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver très bientôt, bah, lundi prochain, pour le prochain épisode. 400 millions de population! Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao!